bateli biso vula oyo kati na maladi pema kama ebele mingi batiki biso mingi bakei tuye kopesa merci pona 2020 se na ngoluna yo de tokomi na suka tuye kopesa merci pona 2020 se na ngoluna yo de tokomi na suka
parce que c'est les jours qu'on attendait et c'est arrivé. Donc la partie coutumière a été faite, maintenant c'est la bénédiction à l'église. Donc bientôt on va entrer pour la suite de l'événement. Donc c'est les grands jours. Voilà. Voilà, bon, lundi, papa Jean-François le mari, on a vélo, c'est un jour, j'ai connu, donc des bien habillés, des mots, donc tout était déjà. C'est un quoi. Il est là pour accompagner de Joseph et son neveu. Et aussi derrière lui, c'est sa fille, Teresa. Thank you.
Yeah.
Comment fuir, comment s'éloigner de ces dieux si merveilleux? Zango ya pesa kaya mutuya pour na bana na ye. Bible le dit, quand Dieu a créé, après avoir créé le monde, il vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Alléluia. Amen. Avant de pouvoir rendre grâce, je vais lire d'abord ma première lecture sur la parole de Dieu. Amen. Et puis ensemble, parce que je dois motiver la raison pour laquelle nous allons rendre grâce à ce grand Dieu de l'univers, à celui qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous soir, bien-aimés. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis cet après-midi. C'est un jour de gloire, un jour de bonheur, un jour de triomphe, un jour de victoire, un jour nouveau, un jour du changement de statut. Alléluia. Amen. Je veux dire une chose, il y avait un paralytique qui avait l'habitude de se mettre devant les temples pour demander le monde, pour mendier. Mais un jour, ce paralytique était connu de tous. Tout le monde savait qu'avant d'aller dans ce temple-là, on doit jeter une pièce à ce paralytique. Mais un jour, Jean et Pierre passaient par là et lui diront, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons. Mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, marche. Et la Bible dit que cet homme bondit. Donc ce qui ne marchait pas dans sa vie a commencé à marcher ces jours-là. Il a bondi, il a commencé, il a suivi les apôtres dans les temples même. Lui qui n'entrait pas dans les temples. Où je vais en venir, bien-aimé, Bakolukayo, un journaliste et un célibataire. Amen. Parce qu'il est sur l'état du monde. C'est lui qui change les statuts. C'est lui qui transforme la vie. Oh là où le cœur de l'homme condamne, l'homme qui ne peut voir le cœur condamne. Lui qui vit dans ton cœur. Il compatit parce qu'il connaît les larmes de ton cœur. Ce mariage, c'est un grand témoignage. Alléluia. Amen. Mais je commence d'abord par vous dire une chose, à savoir que le mariage est une grâce, une faveur de Dieu pour l'homme, mais aussi pour la femme. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 18 au verset 22 que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. C'est lui qui trouve une femme. Jean-François qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Car c'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Voyez-vous, le mariage est contrainte. Ce n'est pas un mariage forcé. Rien ne vous a influencé. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez prendre un engagement. Le mariage est un engagement sacré. Il y a un proverbe qui dit, c'est un piège pour l'homme. Proverbe 20, 25. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Maintenant, vous allez faire un vœu l'un vis-à-vis de l'autre. Mais la Bible dit que c'est un piège. Si mon lobate que non, je me suis trompé. Je demande, je pose la question au nom de l'instituteur du mariage. La Bible nous prévient que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Vous avez bien réfléchi. Vous êtes sûr de prendre l'engagement, de vous engager
avec fidélité et amour. Levez-vous. Que je les connaissais sous le nom de JF ou soit JFE, il y en a beaucoup. Je pose encore la question, Jean-François Eliwo, voulez-vous prendre Liyongo Mélanie comme épouse et promettez-lui de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui. Oui. Amen. S'il veut dire oui, je l'accepte, ça va me rassurer. Mélanie Liyongo, la princesse. Ce jour, voulez-vous prendre Jean-François Eliwo comme époux et promettez-lui de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui, je l'accepte. Les anneaux. Gloire à l'agneau. Vous avez dit oui. Jean-François a donné sa parole. Il promet la fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mélanie, de même, promet cet amour, cette fidélité à Jean-François jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je vais prier d'abord pour les anneaux et vous allez faire l'air envers l'autre cette déclaration et portez vos alliances et l'Église va prier et je vais bénir votre union dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Père, je sanctifie par le sang de Jésus-Christ que j'applique sur ces anneaux. Au nom de Jésus-Christ, je purifie ces anneaux par le sang versé par le Christ à la croix, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Je sanctifie ces anneaux. Ceci est un symbole d'amour et de fidélité qu'ils vont porter en ces jours. Agrée, ô Dieu, agrée cette union. Je réclame au nom de Jésus-Christ, ô Père,
réservé à ceux qui viennent à tes pieds pour reconnaître que c'est toi l'instituteur du mariage, que c'est toi qui as créé toutes les choses, que c'est toi qui as créé l'homme. Et de l'homme, tu as sorti la femme que tu avais cachée dans l'homme. Oui, Seigneur, regarde-les à travers le sang du Christ. Et j'implore en même temps le sang du Christ sur la vie de tout un chacun, sur leur corps et esprit. Que tout soit purifié, sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez ouvrir. Que Jean-François va procéder au consentement. Une mélodie, mon frère, pendant qu'ils échangent. Moi, Jean-François Bémigo, je te reçois Mélanie Diongo comme épouse et je serai ton époux. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Je te mets cette alliance en signe de notre amour et de notre fidélité. Amen. En ces jours, au nom de Jésus-Christ,
selon ce qui est écrit dans Matthieu 18 au verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. En ces jours, bien-aimé, Dieu donne à une princesse aujourd'hui un conseil. Ma fille Mélanie, oublie ton peuple, oublie ta coutume, oublie la manière de faire de la maison de ton père, oublie, bien-aimé, cette civilisation, parce que tu vas t'attacher à quelqu'un, c'est toi qui dois t'adapter à savoir mon mari aime manger quoi. Non, que pas une abisso balia, comment les mains en place à déjeuner. Na tongo tongo sali foua makasi. Gotiel moubali na mesa autolia, moubali na mesa na déjeuner. Alléluia. Oublie la maison de ton père. Si le matin vous mangez la semoule, mais tu dois chercher à connaître, à savoir ce que désire ton mari. Oublie ton peuple. Oublie la civilisation de ton peuple. Et pas une abisso ba congolais. Dans un système à deux bords, Moubali a sakani, n'a pas joué laïe. Alléluia. Tout ça, c'est ce que le psaume 45, 11 donne comme conseil à la femme. Voyez-vous, c'est une manière de quitter la maison de son père. C'est une manière de quitter la coutume. La Bible dit que vous annulez la parole de Dieu au profit de la coutume. Oublie la maison de ton père. Ah, maman n'a biso, zalaï, bobé, ta papa n'a biso. N'a ipé, n'a bobé, ta papa n'a biso. Non, oublie tout ça. Alléluia. Amen. Oublie la maison de ton père, oublie ton peuple. Parce que tu rentres, bien-aimé, dans une nouvelle saison. Tu rentres dans une nouvelle vie. On les appelle les conjoints, ce qui est joint, ce qui est lié, ce qui est uni. Dans le mariage, il n'y a pas de juges et des avocats. Il n'y a pas d'accusés et des parties civiles. Le mariage n'a qu'un seul avocat, c'est celui qui est auprès du Père. Amen. Alléluia. Amen. Mélanie, ma fille, oublie la maison de ton père. Oublie ton père même. Mbali a touché, yo a effleuré au moins mon gué. Papa a bêta kinga. Et pas la mission a bêta ngaïté. A gangé la kinga. Quand on donne des rapports comme ça à ta famille, comment veux-tu que Bali n'a moutouana? Mbali a ça tout le temps. Qu'on pèse un rapport négatif. Il y a moi si naïe et pas baboti naïe. Comment Bako l'inga moi si wana? Moi si a ça tout le temps. Kopé ça va rapport négatif. Il y a mon bali na yé et pas ya baboti na yé. Comment va kolinga mon bali wana? Amen. Comment on va aimer cet homme? Comment on va aimer cette femme? Comment on va l'aimer? La Bible dit que celui qui couvre une fosse cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui agit de la sorte est en train de diviser. Or, celui qui divise sert les destructeurs. Parce que le diable ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour diviser. Alléluia. Amen. Quand le diable est entré dans la vie de ce couple, le premier couple, Adam et Ève, l'homme qui a déclaré un poème si merveilleux dira: non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ah! Nzamba comme ma béga à Sikoué. Tant que comme il y a eu l'issoumou, l'homme qui avait déclaré que voici cette fois-ci, dans la joie, dans le bonheur, il a trouvé une grâce. Dieu lui a fait une grâce. Et cette grâce l'a poussé à dire un poème universel, un poème éternel. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais cela n'a pas duré. Quand l'ennemi
celui qui ne vient que pour détruire, a pénétré dans les couples bien-aimés, l'homme a changé de langage. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu avais mise à côté de moi. Voilà l'infidélité. Voilà la division. Voilà, ils étaient déjà divisés. L'alliance se fait aussi par la parole. Elle peut aussi se défaire par la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le mariage, bien-aimé, est une alliance. Amen. Le mariage est une alliance. Une alliance, c'est un pacte qu'on signe. C'est-à-dire, on prend la décision. Dans l'alliance, il y a le mot allié, de devenir l'allié, un allié, une alliée des. C'est ça, le mariage. Et la définition du mot alliance. Une femme a donné une définition excellente du mot alliance. Quand nous allons dans les livres de Ruth, au premier chapitre, au verset 16 et 17. Ruth 1, 16 à 17. La Bible dit. Ruth répondit à Naomi, qui voulait la renvoyer, parce que le mari de celle-ci était mort, qui était le fils de Naomi. Mais écoutez ce que Naomi, cette femme étrangère, comment elle va définir le mot alliance. Je ne peux trouver, bien aimé, d'autres définitions si excellentes que celle-ci. Alléluia. Amen. Ruth 1, du verset 16 au 17, la Bible dit, Ruth répondit, tu as trouvé? Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Où tu iras, j'irai. On doit avoir la même vision. On doit regarder dans la même direction. Alléluia. Amen. Ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire que tu vois, la femme a quitté. Elle dit que le peuple de son mari, la culture de son mari, la famille de son mari sera aussi sa famille. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Bien-aimé, écoutez les poids des paroles. Yeah. C'est ça la définition du mot alliance. Où tu iras, j'irai. L'alliance veut dire que tout ce que tu as m'appartient. Et tout ce que je possède t'appartient, car tu es à moi, et moi aussi, je suis à toi. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. La Bible dit que Dieu jugera les hommes pour toutes vaines paroles qui seraient sorties de leur bouche. Ne prenez pas à la légère le parole bien-aimée. Dans le pays où nous vivons, quand un occidental ou un belge te donne une parole, ils ne sont pas les chrétiens. Ils observent cette parole. Alléluia. Ils ne donnent pas la parole à la légère. Et la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Que tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Que ton oui soit oui. Or, l'imakika, mais dans mon aïe, il y a un peu de soupe à la mise dans mon papa, est-ce que
Donc voilà, avant de convier, on va faire la prière finale pour congédier le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Et puis le couple va se diriger vers la sortie. Je vous prierai plutôt de sortir derrière ou après le couple. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci à toi, le maître de temps et des circonstances. Merci à toi qui as, Seigneur, organisé ces cultes. Oui, car sans toi, nous ne pouvions rien faire. Mais ta présence a été manifeste. Oui, Seigneur, tu as été avec nous tout au long de chaque étape de ces cultes et jusqu'à présent. Père, nous ne pouvons que te dire merci. Et nous te recommandons le restant de cette fête, bien-aimée. Et Père, notre Dieu, nous te recommandons le restant, la réunion, la convivialité, les repas que nous allons partager ensemble avec nos deux familles et tous ceux qui sont venus se joindre à nous pour honorer le marié. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Allez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
bon ça photo pas moi. Mais pose parce que pour le sac. Et pose mon. Bon ça ndeli, bon que wapi. Parce que ça ma photo. Photo pas à quel lieu. Photo pas. Mais bon que n'est pas place au bokende ya landi bango. Ou bien beaucoup tant. À quel lieu le pas le. Bon ça photo wapi nani ni. Bon kende, bino bon kende pas que boye bisa région de bino benga bango wa kuta na park. Michel, Il faut dire quelque chose, il y a Teresa. Aujourd'hui c'est la fête. Thérèse, Thérèse, passe un peu de ce côté-là. Parce que là, on ne te voit pas bien. Voilà, maintenant, tu peux dire quelque chose. Tu peux faire un commentaire. La liégeoise, parle. Anime-nous. Aujourd'hui, c'est le jour de tes parents. Alors, tu dis quoi alors? Ok, il n'aime pas déjà Vas-y, parle. Vas-y, Thérèse, il ne faut pas être timide. Tu es contente parce que les parents ils vont faire la fête, tout ça, on va danser, on va manger, on va rigoler, on va faire plein de trucs quoi. Dis quelque chose, Thérèse, faut pas être timide. Hein? Thérèse, en fait, l'enfant. Vas-y. Parle un peu. La légeoise. T'as quelque chose à dire? T'es tenté de réfléchir? Je cherche quelque chose. Voilà. Je cherche quelque chose. Voilà. À haute voix. Ben, on a vu sur la photo. Non, en fait, il faut laisser l'enfant vraiment lui dire quelque chose là qui vient de son, de son cœur. Et c'est par cela on laisse maintenant la parole à Teresa. Vas-y, maman. Vas-y, maman Teresa. Maman Teresa. Tu cherches? Non, il faut pas faire pour Dieu les recherches. Dis-moi. Dis-moi, tu es content quoi. Je suis content pour Laurent. Thérèse, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans. Mais est-ce que toi, 10 ans, t'as rien vraiment à dire à propos de tes parents? Voilà. J'espère que ça va bien se passer. Ah. Voilà. Et merveille, tu dis quoi? Merveille. Elle est pas là. Elle est merveille, dis quelque chose là. Allez. Et pour la fête des papa et moi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Pour la fête. Et tu es contente? Eh merveille. Et ta robe? Tu t'es déjà essayé ta robe ou pas?
Voilà. Ah, ok. Et ça te va bien? Ah, ok. Oui. Ah, ok. Et est-ce que... Est-ce que tu as vu la robe de maman ou tu as vu ça ou pas encore? Oui. Tu as vu la robe de maman? C'est joli, non? Super. Maintenant, tu es en train de faire quoi? Papa, nous sommes dans la voiture. Hein? Nous sommes en voiture? Nous sommes en voiture. Marvini. Allez, va pour le carré. Notre frère, je viens de nous parler. Allez, vas-y, pour le carré. Si on parle de la boutique, vous voyez, la vie, comme ça, 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 Nous voyons ni. Ça va te mettre en panneau. Papa, vous avez chargé. Oh bien. Place quand vous en avez pas besoin d'un ligne. Isaac, donne-moi mon petit. Merci beaucoup, Isaac. On dirait là où tu n'as pas l'anzam, mais là-bas, mon icaponine, on a. Alléluia, on y va. Et rendra la vie à votre corps mortel.